chaque fois, nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, dans laquelle nous allons essayer de connaître un peu mieux la mentalité des Algériens, comprendre pourquoi ils sont toujours si fiers. De l'intérieur, ils sont les premiers à critiquer leur pays. Mais de l'extérieur, ils ne permettent aucune critique ni insulte envers l'Algérie. Sinon, cela peut les mettre très en colère. Un Algérien a un tempérament très nerveux, surtout quand il s'agit de sa fierté. Si vous aussi vous êtes curieux de connaître un peu mieux l'Algérie et les Algériens, et de savoir quelle est l'origine de leur si grande fierté, alors restez avec nous. On va essayer de découvrir tout cela ensemble. On connaît tous le patriotisme américain, celui qu'on nous montre à chaque fois dans les films d'Hollywood. Vous allez voir que le patriotisme algérien dépasse largement celui des Américains, car leur amour du drapeau, ce n'est pas juste du cinéma. Les Algériens ne se déplacent jamais sans leur drapeau. C'était juste un tout petit aperçu. Si on vous montre toutes les places où ce drapeau a été photographié, cela va nous prendre des heures. Mais leur patriotisme ne s'arrête pas juste là. Quand l'Algérie est représentée dans n'importe quel événement sportif, l'Algérien est toujours derrière son équipe. Peu importe la distance, la difficulté ou même le coût. Ils sont toujours des dizaines de milliers à faire le voyage. Certains allant même jusqu'à s'endetter, juste pour aller soutenir leur pays. Mais les Algériens ont fait encore plus fort en 2009, lorsqu'ils ont été touchés dans leur fierté. Comment imaginer que ces hommes ensanglantés qui descendent de leur bus ne sont venus jouer qu'un match de football? 4 joueurs blessés, et sur le coup, la colère qui monte. Ils ont fait quelque chose qu'aucun autre pays n'a réussi à faire avant eux. Faire déplacer près de 30 000 Algériens sur plus de 5 000 km en seulement 48 heures. Et cela uniquement par voie aérienne. Et pour leur rendre la tâche encore plus difficile, l'Égypte leur a fermé son espace aérien, qui est le passage habituel vers l'Algérie pour aller au Soudan. Au moment où beaucoup d'autres pays auraient baissé les bras, les Algériens ne l'ont pas fait. Ils ont demandé à la Libye d'ouvrir son espace aérien aux avions algériens, chose qui leur a été accordée. L'Algérie a fait baisser le prix du billet d'avion de près de 80%. Mais même avec plusieurs allers-retours par jour, la flotte vers Algérie n'aura jamais suffi. Alors plus de la moitié a été transportée par des avions militaires. Les agences de voyage sont prises d'assaut. C'est avec une grande stupéfaction que le monde entier avait suivi cette déferlante des Algériens à l'assaut du Soudan. Qui d'autre peut supporter un voyage de 5 heures dans de telles conditions? Et tout cela juste pour vivre cet unique moment de délivrance. Oh!
l'Algérie est au paradis. Mais on ne peut pas vous parler des Algériens sans parler de leurs relations avec leurs voisins. Sont-ils vraiment méprisants et arrogants envers les autres? Contrairement aux apparences, leur histoire nous démontre exactement le contraire. Par exemple, lors de la Coupe du Monde 98 en France, leurs frères tunisiens défilaient pacifiquement à Marseille. Soudainement, ils se sont fait attaquer par les hooligans anglais. Chose qui a fait réagir instinctivement l'Algérien, pour défendre ses frères tunisiens. Bien sûr, toujours le drapeau à la main et sans jamais le faire tomber. Ou encore plus récemment, lors du vote pour l'organisation de la Coupe du Monde 2026, malgré les menaces du président américain Donald Trump, pour ceux qui ne votent pas pour l'Amérique, et malgré les tensions qui règnent entre l'Algérie et le Maroc, en particulier les semaines précédant le vote, l'Algérie a non seulement voté ouvertement pour le Maroc, mais a aussi accepté que sa star des années 80, Lakhdar Baloumi, soit l'ambassadeur du Maroc lors de ce vote. Mais ce qui distingue plus particulièrement les Algériens dans leur relation avec leurs frères, c'est bien la Palestine. Récemment, l'Algérie a présenté des excuses officielles au peuple palestinien. Vous allez être très surpris de savoir pourquoi. Le ministère de l'Éducation algérien rappelle les 850 000 manuels de géographie nouvelle génération. En cause, la page 65 du livre, où figure une carte du monde à peine lisible. La source du scandale, c'est l'inscription de l'État Israël, alors que l'Algérie considère que ce territoire appartient aux Palestiniens. La ministre de l'Éducation a immédiatement réagi. J'avoue que c'est un scandale. D'autant plus que cela concerne la question palestinienne, qui est sacrée pour l'Algérie et que personne ne peut y toucher. Le ministère de l'Éducation affirme ne pas avoir validé cette carte et renvoie la balle à l'imprimeur. L'entreprise nationale des arts graphiques a, elle, présenté ce samedi ses excuses au peuple palestinien. Dès jeudi, les écoliers algériens auront en main un livre où cette fois Israël n'existera plus. Et ce fameux match de foot entre l'Algérie et la Palestine nous donne un petit aperçu à quel point la Palestine est sacrée pour les Algériens. L'Algérie joue à domicile devant plus de 80 000 supporters algériens. Et quand la Palestine ouvre le score, écoutez. Mais quelle est l'origine de ce patriotisme et de cette grande fierté? Certains vous diront que cela a commencé en 1982. Le match de David contre Goliath. La modeste équipe d'Algérie face aux géants de la République fédérale d'Allemagne. Mais l'Algérie les a battus avec l'art et la manière. D'autres vous diront que leur fierté remonte à 1954, le jour où les Algériens se sont levés comme un seul homme, pour défier la cinquième puissance mondiale. وللنصر رحنا نسوق السفينة
وثرنا نفجرنا ونورا ونصنع من صلبنا الطائرين وثرنا نفجر نارا ونورا ونصنع من صلبنا الطائرين ونلهم ثورتنا مبتغانا ونلهم ثورتنا مبتغانا فتلهم ثورتنا العالمين ونلهم ثورتنا مبتغانا فتلهم ثورتنا العالمين وتسخر جبهتنا بالبلايا وتسخر جبهتنا بالبلايا فنسخر بالظلم والظالمين. Mais de récentes découvertes archéologiques ne vont faire qu'accroître cette fierté des Algériens. En effet, récemment, selon les travaux de recherche publiés dans la prestigieuse revue américaine Science, des galets en calcaire et en silex taillé ont été découverts à Sétif, à 300 km à l'est d'Alger. Et ils ressemblent exactement à ceux appelés Old One, trouvés jusqu'alors principalement en Afrique de l'Est. Les chercheurs ont par ailleurs déterré à proximité des dizaines d'ossements animaux fossilisés, présentant ce qui ressemble à des marques de véritables outils de boucherie préhistorique. Ces ossements proviennent d'ancêtres de crocodiles, d'éléphants et d'hippopotames. Mais le plus stupéfiant dans cette découverte, c'est que ces outils datent de plus de 2,4 millions d'années, ce qui pourrait faire de l'Algérie le berceau de l'humanité.